Et salut les gens, c'est PandaGamer et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pas sur le mode formation, mais sur le mode bataille, hein, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo. Donc c'est parti, on va tout de suite se relancer et on va faire des batailles sur Hoth, sur Tatooine, sur Endor et sur Sullust en mode soldat. Et ensuite dans les prochaines vidéos, on fera bataille de héros hein, sur les 4 maps. Donc on prendra d'abord les gentils, hein, les rebelles, et ensuite on prendra les méchants. Voilà, donc c'est parti, on va commencer par les gentils. Et on va se mettre en normal, hein, voilà, pour éviter qu'on passe pour un con, qu'on meurt tout le temps. Et on va prendre les gentils. Voilà. Donc ce mode de jeu est aussi bien pour s'entraîner. Donc comme ça, pour s'entraîner... comme ça, moi j'ai une assise, on s'entraîne en solo. Et ensuite, bah, on va botter le cul en multijoueur, quoi. Là, on s'amuse et tout, on peut inviter ses amis, tranquille. Moi je dis que c'est bien les mini-jeux en mode solo et puis on peut faire ça en duo aussi. Allez c'est parti, Alliance Rebelle. Et on va prendre notre blaster. Et on va prendre démolisseur car c'est un kit bien. Donc en mode bataille on a le choix des armes. Et on a deux kits qui est proposé. Ça c'est le kit que j'ai sur multijoueur. Hein. Parce que j'ai joué un petit peu au mode multijoueur. Je sortirai une vidéo que j'ai faite il y a pas longtemps, mais quand même assez assez récente, un peu vieille aussi, sur le mode escadron de chasseurs, mais où on n'entendait pas ma voix. Allez, c'est parti. Donc voilà pour bien voir mes vidéos. Hein. N'hésitez pas à mettre la vidéo en 720p. Et si vous pouvez 1080p, c'est encore mieux. Et là, je démarre en vue première personne parce que c'est stylé. La vue troisième personne, vous pouvez changer, c'est ça. Mais moi, je préfère vue première personne vraiment. Et il y a déjà des ennemis. Désolé, désolé, je tire partout. Ah, et en plus, j'ai raté mon chargement, désolé. J'étais pas prêt, c'est pour ça que j'ai bougé de partout. Et puis ma sensibilité elle est de 50%, donc du coup attendez, je vais changer ma sensibilité, je vais la mettre à 20. Voilà, vous avez vu, elle est à 50 et tout. La musique de Luke. Allez, c'est parti. Alors là ça va mieux déjà. On va récupérer le point. Donc voilà, dans le mode bataille vous devez récupérer tous les points jusqu'à 100. Donc voilà, ouais, comme vous voyez en haut à gauche hein, PandaGamer 21 c'est moi, et Impérieux c'est les ennemis, et il faut pas qu'ils arrivent à 100 avant nous parce que sinon on a perdu. Voilà, et pour éviter qu'ils reprennent les points, et ben où est-ce qu'il est, il est là, et ben on peut récupérer les points des alliés qui sont morts pour éviter qu'ils appartiennent aux mains qu'ils soient aux mains des ennemis. Désolé, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Voilà, donc en vue première personne, comme vous avez pu le voir, hein, vous avez sûrement reconnu, c'est un peu comme du Call of Duty. Hein. C'est mon point de vue, hein. Certains ne pensent pas comme moi. Donc, il y a le radar pour nous aider, donc à mon avis, il y a quelqu'un par là. Voilà. On peut mettre des coups de crosse aussi, qui font assez mal. Voilà. Donc pour l'instant, ils ont 0 points. Là, il y en a un là. Il y en a un là. Voilà. Et il y en a au-dessus. Alors regardez, ça fait super mal. Voilà, vous avez entendu mais vous avez pas vu. Dommage. Bon, il est là-bas. Voilà, on l'a eu. Voilà, on est à 33. Non, 34 points. Voilà, il y a toujours mes alliés avec moi. On va aller par là parce qu'il y en a plein. Voilà, je l'ai vu, toi. Oh putain! Ouh, lui, vous voyez, il a failli nous dégommer. On avait 29 points de vie. Heureusement qu'on a le kit bouclier. Mais regardez à quoi j'avais affaire. Voilà, ça fait mal. Hein. C'est une tourelle, hein. Comme dans Call of. Oh, frappe orbitale, ça c'est un bonus. Ah oui, vous pouvez récupérer des bonus aussi sur le mode bataille. Et je vous dis qu'il est assez bien.
Quand il essaye tout de suite, il s'essaye dehors. Hein. Voilà. Bon, par contre, faut voir s'il y a un ennemi. Voilà. Allez. Pour ça, faut aller sur une montagne pour être à l'abri quand même de la frappe orbitale parce que elle est pas amie avec les méchants, mais elle est pas amie avec nous si on est tout près. Donc voilà, on s'équipe. Alors, où est-ce qu'on voit des ennemis? Voilà, c'est si le truc est bleu. Ouh, parfait. Voilà, on zoome et après on tire. Et regardez ça. Regardez. Oh, regardez. Ouh, ça, ça fait mal. Franchement, ils ont eu mal. Vous y êtes presque. Continuez comme voilà, donc il y a un ennemi par là. Raté. Bah, j'ai raté aussi. Tant pour moi. Allez, on est à 56 points. Ils ont toujours marqué aucun point. Mes alliés sont toujours là. C'est bien de les garder en vie. Je suis verrouillé. Mais le truc a failli me tuer. Voilà. On l'a eu. Bon, c'est pas grave si on récupère pas le point. Voilà. Voilà, il y en a dans la grotte. Oula. Ah ouais, ils sont là. Voilà, on l'a vaincu. Ouais, je crois qu'il y en a ici. What, il est derrière nous. Ah ouais, c'est bon. Oh, y a personne ici. Ouais. Ah, je suis mort. J'ai été déconcentré. Donc voilà. Donc vous inquiétez pas, je continuerai à en faire hein, des vidéos sur ce jeu. Sur ce mode de jeu si ça vous plaît. Voilà. Alors ils sont les... D'accord, au moment où je dis ils sont où les ennemis, bah ils sont tous là. On va lancer une grenade parce qu'ils sont assez nombreux. J'ai mal, ou j'ai très très mal. Voilà, le petit bouclier. Il fait grave plaisir. Je suis un fou. Oh, je suis un fou. Et oui, on a gagné, ça y est. Et oui, c'était rapide. Hein. Voilà, je vous laisse sur cette bonne petite cinématique de la victoire des rebelles. Et on va se laisser. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos sur ce mode de jeu. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me ferait également plaisir. Je vous mettrai aussi le lien de la description à la chaîne d'un pote aussi qui s'appelle OMG Fraguin. Il m'a demandé si il pouvait être dans la description, donc voilà. Et puis je mettrai aussi le bon vieux The Kickstar Prime aussi dans la description, donc n'hésitez pas à vous abonner à ces deux personnes là, ils sont sympas. Et puis voilà quoi. Allez, salut, c'était PandaGamer21 et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos sur Star Wars Battlefront.